Bonjour, bonsoir compatriotes, moi yo, ça va dépendre de l'air. Ou regarde vidéo ça. Fons ou bien, jodi a c'est exactement 7 septembre, jour qui était annoncé Guy Philippe a libéré. L'air a passé, minute a passé, fons ou bien Guy Philippe pour qu'on joigne libération. Mais t'assembler libération Guy Philippe bagay ça, li compliqué. Raison qui ça me dit compliqué jusqu'à présent quand m'a parlé avant là. Léa avancé. Yo te dit t'a libéré Guy Philippe jodi a là. Gen un pile moun ki mobilisé Captain Libération Guy Philippe, yo poko wè Guy Philippe. Et avocat Guy Philippe te écrit bureau immigration pour te bail ancien sénateur Guy Philippe passeport li. Yo écrit l'état haïtien pour te jwenn feuille de route pour Guy Philippe entrer dans pays d'Haïti. Jusqu'à présent, kote m'ap la vola, Guy Philippe poko jwenn passeport et li poko jwenn feuille de route ça pour yo voyer dans pays d'Haïti. Selon yon post mwen te wè sur Facebook ke m pral li pou nou la, kote l te di selon Miami Herald, le Guy Philippe fin sorti dans prison fédérale li te ya nan Atlanta Georgia, y a transféré l by service immigration américaine et puis après pour le déporter Haïti. Je n'en l'a dit ancien sénateur Guy Philippe qui c'est Eli Grandos l'a libéré et après faut vous bien libération ça vient tout de suite après yon accord li joine procureur fédéral yo nan Miami. Bon on pour samedi à là. Sénateur Guy Philippe joine libération après yon accord li joine à procureur fédéral yo nan Miami. Moi même ça pi important pour moi et m'ta remet dit peuple haïtien avant nous mettre tout espoir nous sur Guy Philippe. Peut-on nous chercher qu'on est à quoi Guy Philippe joine pour libérer. Qui ça qui dit dans accord ça? Déjà nous connaît Amérique pas égaré. C'est toutefois Guy Philippe joine un accord avec procureur américain, on me dit procureur fédéral dans Miami. Faut nous connaît qui ça qui dit des fils en aiguille qui gagne dans rapport si là parce que nous pas voulons pour Guy Philippe joine yon libération sous contrat. Sous contrat, nous connaissons qu'il y a un contrat avec Guy Philippe. Li ka yon bayonnette vin nan pays d'Haïti là pour blanc à diriger. Et nous pas souhaité pour ça qui est arrivé. Parce que yon Guy Philippe, yon dit qu'il joue un contrat avec procureur fédéral yo nan Miami. Et nous-mêmes, nous t'arrêmes connaît qui ça qui dit. Le contrat si là. Femme du bien, confrère nous, zami nous, qui travaille dans la voie d'Amérique, te renou sous place devant prison. Côté Guy Philippe yé dans Atlanta, Georgia, il t'a parlé et il t'a venu garder si tout bon vrai Guy Philippe libéré. Regardez, zami nous, qui c'est envoyé spécial la voie d'Amérique, qui te renou sous place pour ouais. Est-ce que tout bon vrai en ce sénateur Grandos là a joine libération li? Ce jodia c'est un gros date et il est clair que selon département justice les États-Unis jodia c'est libération ancien sénateur élu ou bien sénateur élu Grandos Guy Philippe. C'est clair que le département de justice a procédé à la libération. Cependant, d'après un contact que nous avons gagné avec l'autorité dans la prison, ça aurait été USPA. Ça veut dire que c'est US Penitentiary qui est dans Atlanta, dans Georgia. Eh bien, oui, libération a fait, mais cependant, l'IPRA a gagné pour aller de l'autre côté. Il y a un spécialiste qui lié à la question de ça, retard pour ta libérer. Totalement à cause d'une question de passeport et de feuille de route. Et nous sommes entrés en contact avec l'avocat Guy Philippe qui est en Haïti en parlant de M. Louis Jean, Maître Louis Jean.
lui et Jean-Joseph plutôt, maître Jean-Joseph, il fait nous connaître qu'il a fait toutes demandes. Il a fait une demande pour un passeport parce que en tant qu'haïtien d'après ça il dit Guy Philippe bien doit un passeport et il a fait démarche tout pour faire de route, il était écrit et premier ministre Ariel Henry à titre de ministre intérieur, il était écrit ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, il était même écrit même t'assemblé que consulat haïtien qui dans Atlanta dans Georgia. Donc ça veut dire que techniquement selon ça responsable prison dit que oui, Guy Philippe a libéré Jodia, mais cependant le pape libéré totalement, l'a libéré peut-être de prison que côté que il y a, mais le pape libéré, il pape gain toute liberté parce que le prend l'autre côté sans que yo pas indiquer nous qui côté ça va aller. Je ne sais pas si je vais aller en prison ou bien après le centre de détention, ça ne pas connaître. Seulement, responsable a dit que l'abgé pour transférer le côté droyé. C'est ça que le responsable prison a dit. Non seulement il est responsable de la prison, et puis qui te parle lui-même avec un intendant qui connaît, qui dit nous que yo connaît Guy Philippe, yo connaît prisonnier. Et il a même posé une question, il a demandé quoi. Pour qui ça a toute intervention ça yo et dans le cas Guy Philippe là, il a expliqué qui est Guy Philippe et qui ça le représente dans le pays d'Haïti. Donc c'est clair que vu Guy Philippe lui-même l'a libéré selon le département de justice, mais nous-mêmes nous n'avons pas eu l'occasion de lui parce que je demandé tout et autorité pour est-ce que je dois ou elle et même faire interview avec lui, il dit non, il n'est pas possible qu'on y a et ça n'a pas fait qu'on y a. Oui, d'après ça, tout ça c'est des technicalités Rodriguez. Eh bien, la technicalité nous est expert. L'expert dit que faut que l'autorité américaine, notamment Homeland Security, pour joindre les papiers dans main, autorité haïtienne, pour yon même yon doit faire suivi à, éventuellement pour Guy Philippe t'a quitté prison et puis pour t'aller et entrer en Haïti. Faut tout bagaille ça arranger, feuille de route ou bien passeport ou bien l'autre papier encore que moi-même comme prophète que m'baronne. Merci infiniment Jacques Belizier, c'est un voyage spécial bio à Créole ensemble avec les gentils Christian Junior. En cas de libération, sénateur Guy Philippe, comme il a donc nous comprenons que moi-même j'étais en direct là avec Serge Rodriguez qui dans le programme Sac passé Haïti côté que il t'a posé une question sur situation Guy Philippe là. Et c'est ça que je voulais reprendre avec nous ou bien ça me dit nous matin que je voulais reprendre avec nous dossier Guy Philippe là qui défrayait la chronique qui dans tête actualité à concernant pays d'Haïti, son dossier qui a plusieurs aspects là-dedans qui ont pas quelques dimensions là-dedans. Li son dossier de base juridique parce que c'est un jugement qui mettait Guy Philippe côté le DEA. Nous songe que c'est en juin 2017 que un juge dans Floride te prend décision ça pour condamner Guy Philippe pour passer 108 mois en prison et c'est après que Guy Philippe lui-même te plaidé coupable. Il te gain pour te purger peine et nous comprenons que même au niveau et prison ou même grand pile et confusion là-dedans, notamment juge qui était condamné là c'était dans Floride, donc nous imaginons que c'était en prison en Floride ou après que il y a des papiers qui sont internet et l'autre papier qui fait connait que le tas Pennsylvanie. Nous même dans un premier temps nous te connait que le tas dans Fulton, nous t'es même allé là et puis après ça nous vienne connait que eh ben c'est dans USP lié. Ça veut dire US Penitentiary qui est dans Atlanta, Georgia. Et nous avons eu l'occasion de rentrer en contact avec le principal concerné, Guy Philippe, qui lui-même dit nous exactement côté lié. Jusqu'à hier soir, nous avons parlé avec Guy Philippe qui fait nous connaître que eh ben, lui-même l'a plagué matin, c'est ça qu'il fait nous connaître. Mais jusqu'à hier soir, nous avons parlé, mais matin, nous avons essayé d'entrer en contact avec elle. Il est difficile pour nous rentrer en contact avec elle. Cependant, nous avons entré en contact avec l'avocat qui est en Haïti pour nous connaître. Et, amis, il faut dire que nous avons des gens haïtiens qui viennent et tout près prison, même pour venir nous voir
et libération Guy Philippe. M'a prélé un ami là qui vini, il dit c'est exactement pour ça qu'elle vini. Et zami qui j'en relé? C'est Pierre Edouard, non c'est Pierre Edouard la guitariste. Oui. Non. Et Pierre Edouard Negoka. Et qui sac menon là moi tout près prison et ça vient faire. Bon, je dis en bas c'est d'étape pour une victoire pour moi, pour moi. Parce que je connais grand sud là Guy Philippe qui ça le représenter. Grand sud là et moi déjà c'est la carrière tout près. Je suis venu à Guy avec Guy, je disais, parce que je devais ça en Belge, comme je disais, pour me avec Guy, je suis venu dehors. Et puis pour aller continuer de travailler, et continuer ici. Parce que moi-même, mon caraïque Guy Philippe, moi-même, je choisis le même, tout le monde qui choisit par eux. Donc ça veut dire, ou même c'est un partisan Guy Philippe ou même Guy. Je suis supporter Guy Philippe, je suis militant, je suis même qui prend Guy Philippe. Ok, qui ça fait que vous aimez Guy Philippe comme ça? Je suis avec moi-même dévouement Guy Philippe. Pour moi-même, moi-même dévouement, je suis avec lui-même, les pas tête baissée. Les pas en tout qui prend le travail pour le monde qui va prendre avec tout le diaspora, sont des autonomes, ils travaillent pour le peuple. Et le peuple prend ensemble, quoi, tout le peuple prend ensemble, Rémi Guy Philippe. Et moi-même qui suis un carrière, grand sud dans tout, Rémi. Et moi, il y a pile de monde en Haïti, Rémi, malgré toujours qu'il n'y a pas Rémi. Moi-même, c'est choix pas pour Rémi, on ne peut pas attendre à l'aide pour Guy Philippe. C'est raison que là, je dis, je suis venu pour moi, héros, ça je dis à Jeune, et pour me choisir juste. Collaborer pour me well, pour me manier, pour me adorer, pour me continuer à l'Haïti, à continuer à travailler pour nous, même qui diaspora, moi-même sans backup dans diaspora, derrière Guy Philippe. Donc nous comprenons que monsieur c'est mon Okaï, c'est mon Okaï lié, et nous connaissons Guy Philippe, c'est mon Pestel, qui était un sénateur élu Grandance, mais monsieur parle lui-même de Grand Sud, et il dit que Guy Philippe c'est pour lui. C'est un héros, il tape content. Ouais. Donc ça veut dire que vous êtes bon ici, dans Georgia? Moi, j'étais bon ici. De là, quand je suis en prison, j'étais 15 minutes à côté de Guy Philippe. Là, 15 minutes à prison, et c'est Georgia qui m'a vivre. Et par raison, je prends un jour offline spécial dans le travail. Et pour moi, je suis venu, et je suis venu à ça pour me faire Guy avec Dieu. Je suis avec moi dans la photo. Je suis venu en face. Malgré que j'étais à de la politique, mais ça n'a pas fait du tout sur Guy Philippe. Mais ce n'est pas Guy Philippe qui m'a aimé. C'est des mouvements, c'est mon lien. Que pas tout le monde, c'est des qui très autonome. Même genre, même tout le monde est autonome. Ça fait un travail dur, même si on est qui travaille du tout, il n'y a pas de coudin. Dans mes mondes, comme si on prend 1000 gouttes dans mes mondes, pour le baisser les bras. Il travaille fort, avec pas pour aider un peuple. Son même, un monde de 80 pour le peuple. Et moi, je viens là, je devais dire que Philippe Noubagay. Je devais dire que je suis un tant que Nelson Mandela, qui sort de la prison, et puis barre le tombé au président. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas impossible. Je connais Guy Philippe, il y a plus de travail ici. Alors, je ne dis pas ça que je fait. Mais Guy Philippe, so, je dis que je m'appelle, même moi, je m'appelle quand même n'importe quel état. Je vois la Libéria, je paye un ticket d'avion pour ma l'état pour Guy Philippe. Je m'appelle quand même mon l'état. Il y a un autre monde qui est avant, mais je ne pas vous parler. Non. Est-ce que monsieur a ce même sentiment avant? C'est pour la même raison que le vient tout. Monsieur, c'est grand frère, c'est Jacques Edouard, tout grand frère. Monsieur, c'est un petit gentil timide. Moi-même, je suis très ouvert à cause que moi-même. Tout le monde est bon, monsieur, c'est un petit fermé. Je choisis de la machine de sortir. Moi-même, j'en ai m'a sorti même pour Guy Philippe. Pas besoin de Guy Philippe. Parce que moi, je voulais parler de Guy Philippe. Moi, je voulais Guy Philippe. Parce que ce sont moi-même qui n'a cœur. Ça, c'est mon qui n'a cœur. Et si tu as un candidat, côté des États-Unis, là, je vais faire campagne pour Guy Philippe. Tout le monde est là. Chaque monde est là. Parce que moi, je dois aimer Guy Philippe. Je suis là. Guy Philippe, je suis là. Guy Philippe. Et puis, là, ici, tout, je suis là. Guy Philippe. Tout. Donc, moi-même, c'est monde qui représente Guy Philippe. Côté de la Georgia Atlanta, dans l'USA, nous sommes prêts à tout pour Guy Philippe. Parce que est-ce que la communauté haïtienne ici dans Georgia, nous avons un mouvement politique, est-ce que nous avons des mouvements que nous faisons, est-ce que nous avons des activités et que nous faisons, activités communautaires ou bien faveur d'Haïti? Parce que j'aimerais aimer Guy Philippe là, est-ce que nous avons un mouvement que nous faisons? Nous n'avons pas fait un mouvement pour nous montrer que c'est seulement Guy Philippe nous remet. Nous travaillons pour nous remettre Haïti. Et puis nous travaillons pour nous montrer Guy Philippe capable d'aider Haïti côté lui. Ok? Bon, nous, moi-même, la communauté haïtienne, moi, c'est une qui présente. Mais il y a l'autre monde qui n'est pas là, qui n'est pas capable de jouer offline parce que vous connaissez en bref. Ça ne peut pas venir. Vous connaissez le bref que vous avez dit, ok, depuis là, vous connaissez que je m'ai publié pour vous, je m'ai enregistré vidéo pour vous, je m'ai live tout. Il y a une page là, je me dis que si vous montez sur la voie de l'Amérique, plutôt moins. Nous connaissons nous même à Pemba. Nous disons que nous sur la voie de l'Amérique. Nous avons fait pile publication. Nous disons que nous sur la voie de l'Amérique plutôt. Mais les gens parlent dans Georgia. Comme ça, tout le monde gagne tout. Mais moi, je crois que la majorité est pour lui. La majorité pour Guy Philippe, c'est dommage. Nous allons venir aujourd'hui. Mais moi, pour mettre mon sur page, dans n'importe quel état, il y a la plaque. Moi-même, Pierre Edouard, je suis disponible
Rappelez-nous, non, c'est Pierre-Edouard. Pierre-Edouard, il y a des bouquins, il y a des OK. Merci en pile. Nous comptons à son plaisir. OK, merci en pile. Merci. Donc, c'était Pierre-Edouard, un haïtien qui lui-même cap vive dans Georgia et qui lui-même était venu là pour être capable de voir. Guy Philippe, pour lui, son héros, monsieur c'est Mounokai. Mais monsieur dit que malgré Guy Philippe, c'est Moun et Pestel, grandance, mais lui-même, il voit le Grand Sud. Et il même été vin. Il dit que dans pile monde Georgia qui c'est fanatique Guy Philippe qui t'a remé ouais ça le fait jodia et ça fait que le mandé mounyo pour yo vin et tendez maman Pemba. C'est lui qui dit relé la voix de l'Amérique comme ça, il dit pour yo ka vin tendez maman Pemba. Faut dire que gentil grand pile monde que nous rencontré par bon ici qui parle en pile de la voix de l'Amérique comme maman Pemba veo à créole là. Donc monsieur était venu pour te voir Guy Philippe, mais d'après dernière information, ça semble que je ne sais pas pourquoi Guy Philippe, parce que effectivement, Guy Philippe, selon le département de justice, l'a libéré, mais l'a bien pour lui aller au transfert qu'a fait. Est-ce que c'est nous t'arrêter sa détention plutôt parce que nous t'arrêter la détention parce que il n'est pas en prison encore, puisque une décision de justice qui prend en sa faveur, donc il va prisonnier encore, il est capable de le détenir. Mais c'est spécialiste qui connaît exactement qui Jean y a pris l'aile. Mais la situation s'est consolée. Véo a créé sous place dans l'occasion ça. C'est ça que nous avons recevoir comme information. Et nous-mêmes, nous avons gardé tout côté Guy Philippe, nous parlons avec lui. Et nous connaissons qui côté lié, mais nous ne connaissons pas côté le bralé. Malgré que nous parlions avec un responsable dans la prison et avec même un intendant. Mais il dit nous que la Libyen pour le transfert, yon côté le droit transféré, c'est ça au dim, ça au pas dim baga di nous, mais c'est exactement ça au dim, donc on pas ka ba nous plus. Mais seul ça on ka di nous c'est que avocat Guy Philippe qui en Haïti fait nous connaît que ben Guy Philippe et il fait toute démarche que il doit faire parce que autorité américaine yo doit gagner yon papier dans main autorité haïtienne yo pour capable faire le suivi et permettre que Guy Philippe prenne avion pour retourner et dans pays. Mais il a dit qu'il a fait des massacres, mais il pourrait recevoir un résultat dans les mains autorités américaines. Et là, nous disons autorité américaine, mais il faut dire tout que c'est autorité haïtienne qui peut bailler autorité américaine papier et puis pour suivi capable de faire. Donc, nous essayons d'entrer en contact avec le consulat Atlanta, consulat haïtien Atlanta, Georgia, mais nous ne pouvons pas joindre écho de ça. Donc, mais situation, nous avons pour nous rejoindre encore à 4 heures dans rendez-vous pour une mise à jour, peut-être que capable de faire d'autres mises à jour. Donc nous avons restez branchés sur VOA Créole. À 4 heures, nous avons Valério qui va le présenter rendez-vous. Et le ça, si nous avons une mise à jour encore, nous avons connaître ou bien si nous avons porté l'autre précision encore sur cas Guy Philippe qui logiquement ou bien légalement les libérer Jodia de charge. Que t'a pu, de peine que t'a pu gérer, de sentence 108 mois, ça veut dire que d'après la justice, ça a fini. Mais qu'on y a gagné l'autre étape dans le dossier, c'est l'autorité qui a dit exactement ça. Mais on a continué à multiplier contact. On a continué à multiplier contact parce que notamment, il y a un avocat, Guy Philippe, qui dit que il était voyé en lettre by ambassadeur pays d'Haïti. Dans Washington, toujours dans le cadre suivi pour une feuille de route ou bien passeport. Nous connaissons que passeport surtout fait dans Washington et aux États-Unis. Donc tout ça fait partie de tout ça que l'avocat de défense Guy Philippe a fait pour être capable de voir si Guy Philippe a quitté les États-Unis pour entrer en Haïti. Nous connaissons d'après Echo qui vient de nous, il y a des gens qui étaient même voulu à l'accueil dans l'aéroport dans le pays d'Haïti. Mais nous avons gardé pour nous voir. Est-ce que vous avez une information de dernière heure qui a sorti? Non, mais nous avons rendez-vous à 4 heures pour nous capables de voir ça nous gagne comme information. Moi, c'est Jacqueline Belizer depuis Atlanta, Georgia. Moi, je suis avec Gentil Augustin Junior qui est deux envoyés spéciaux VOA Creole dans Atlanta, Georgia. Nous sommes en train de yon extrait. Non! Envoyé spécial sa yo kap travail VOA Creole la voix d'Amérique kan ren yo sou place devant prison. Or, c'est sénateur Guy Philippe
Yo pose responsable prison, est-ce que Guy Philippe a libéré tout bon vrai? Il dit oui, l'a libéré. Et au mandel, l'elle fin libéré côté le pralé, yo dit li pralé côté le ta supposé aller. Eh bien, Guy Philippe a libéré. Oui, l'a libéré. Mais journaliste qui sous place yo, yo pas que j'ai une autorisation pour ta parler avec Guy Philippe. Et responsable prison par bail l'ordre pour parler avec Guy Philippe. Même responsable prison par contre qui est Guy Philippe yé. C'est l'elle poser journaliste la question qui est Guy Philippe yé? Il fait qu'on est Guy Philippe c'est un sénateur élu mais qui s'allie mais qui s'est représenté pour Haïti. Ça veut dire là même responsable prison il pas connait qui est qui dans mêle. C'est l'elle qui pose la question, demandé pour qui ça a tout parlé en pile ça de Guy Philippe, pour qui ça a posé pile la question ça de Guy Philippe, c'est les gens qui ont parlé, la répondu à la question, et sa prison l'a dit, mais qui est Guy Philippe? Guy Philippe, c'est un sénateur vraiment vrai. Et il y a pile mon capitaine, Guy Philippe, cap jeune libération aujourd'hui là, il y a un monde qui est sous place devant prison, Atlanta, Georgia, pour ouais libération. Guy Philippe. Et nous tout attendons là, est-ce que Guy Philippe a libéré tout bon vrai? Nous attendons. Parce que l'air passé, mais non, moi, après la voilà, les gars ont fait une heure dans l'après-midi. Et Guy Philippe a supposé libérer depuis grand matin pour le déjeuner, nous faire des routes pour le rentrer dans le pays d'Haïti. Mais, Guy Philippe a couru. Les Guy Philippe ont libéré, il a transféré de l'autre côté. Et pièce pour ne pas connaître qui côté il a transféré là. Bon, après temps, la continue qui est informé pour libération Guy Philippe, même que libération soit beaucoup fin clair, parce que Guy Philippe pour que je ne fasse des routes, il faut que je ne passe pour lui. Et d'après journal Miami Herald, immédiatement Guy Philippe fin sorti dans la prison fédérale liée qui c'est Atlanta, Georgia. Il a transféré le bail service immigration américaine et puis après il a déporté le voyé dans le pays d'Haïti. La Bretagne et nous là pour que vous informer de libération ancien sénateur Guy Philippe. N'a pas rappelé Guy Philippe joigne arrestation pour l'argent qui était blanchi. Pour l'argent, corruption. Et pour ça, et Guy Philippe t'a utilisé et a dit pouvoir pour te blanchir l'argent. Et nous connaissons Guy Philippe, nous l'avons cité dans les affaires de drogue dans le pays d'Haïti. Bon, la question est informée pour libération ancien sénateur Guy Philippe. Et nous-mêmes, immédiatement, Guy Philippe libéré, nous avons monté là, sous Chanel Production 69 là, nous avons dit oui, Guy Philippe libéré, et pour le moment là, mes côtés le trouvent, est-ce que la route est dans le pays d'Haïti? Si oui, nous avons dit oui, sinon, nous avons dit non, et nous avons dit côté, nous transférons. Femme tout bien, Bandi Axam, qui est dans Grand Ravine, Boulekaï, journaliste Vladimir Jean, qui travaille dans la radio. Télévision qu'est-ce qu'il y a et confrère qui perdit toute salle qui possédait le Kaila et exige réparation et dédommagement dans les autorités concernées. Victime non critique pouvoir de facto Payam Ariel Henry qui quoi qui pas fait rien pour assister peuple qu'a vous fait là nous et Badio vin plus puissant. Il y a Boulekaï et nous France LB mélange avec un pile policier qui a fait faux film. Nous regardons l'image ça là. Il est monté de ces barricades et nous regardons France LB qui a gardé nos longues vies. Ça l'a gardé là par contre si c'est vite l'homme l'a gardé qui a tendé voice lui-même avec l'État. Par contre ou bien tous ces bandits l'a gardé en l'air qui a fait faux. Nous par contre comme connaissez faux film ça au fait. Et ça comme quand il essaie ces films y a monté. La Bretagne comme on dit yo renforcer sécurité.
n'attend qui ça fait parce que nous ouais on publie plusieurs images côté monté de ces demi qui fait avec sac la garder côté bandioyé la suivre n'a garder qui j'en film n'a fini et puis nous même n'attend bilan fais bien hier tu as un gros courir dans Delma Delma 24 plus précisément Solino et dans Nazon côté bandi belé yo te envahi Solino yo envahi Delma 24 bala pété gen accident qui fait sur route là dans Delma 30 bala pété Delma 32 bala pété à cause bandi belé yo envahi Solino malé rendez-vous dans prochaine émission pour ta venir tété l'autre dossier pas oublier channel ça c'est pour 69 et n'a dû rester connecté avec channel ça parce que dans quelques heures qui viennent là nous pour faire une émission spéciale sous libération ancien sénateur Guy Philippe jeudi à l'acte c'est 7 septembre 2023 qui se joue que était annoncé Guy Philippe adjoint libération li. N'allez rendez-vous dans prochaine émission pour qu'on vienne l'autre dossier et restez connectés n'a tourner dans l'autre émission cap émission spéciale cap titré libération Guy Philippe donc sous ça qu'a parlé là et j'ai deux mots anglais que m'va utiliser pour auditeur qu'a comprendre. Allez-y. Premier mot en anglais et c'est misspoke. Elle dit que ou gen doit parler dans radio là hein gon bay ou apese expliquer mais j'on veut expliquer là et pas qu'on ça sorti. Très bien. Et politicien américain fait ça tout le temps. Très bien. Et là ou fait ça, yo dit mon nan misspoke et puis mon nan vienne excuser et puis le corriger. Très bien. Ay premier bagage là. Deuxième mot anglais m'a utilisé à lire les intent. Elle dit que pour déterminer intention moun nan. Pour déterminer intention moun nan, ou pas pral prendre déclaration côté moun nan mal parlé à seulement, ou pral garder ensemble de sa moun nan habitué dit depuis 6 ans que émission ça a existé. Très bien. Correct. Et l'on garder ensemble émission pendant 6 ans, ouais c'est moun k'ap chercher stabilité politique dans société a, moun ki ta aimé société a marcher bien et moun ki pa nan affaire courir gang. Donc finalement, le prend deux considérations ça yo. Ou est pratiquement n'est cap voyé monter yo, c'est pratiquement ça relé et une tempête dans un verre d'eau, ouais. Kouli a ça est premier partie. Yeah. Deuxième partie a c'est commissaire gouvernement. Faut pas oublier que position ça son position très sensible, très clé, c'est gardien société a. Yeah, bien. Elle dit côté monsieur ya, la recevoir pression n'est qui dans gouvernement. Qui besoin éliminer matin débat gen notre nèg dans société a qui gen affaire pas a yo yo besoin régler avec ou et yo besoin régler avec matin débat qui prend trop espace parce que ou même l'a fait émission ça non seulement l'on live y a le dit sur YouTube ou live ou gen à peu près 10 000 monde nèg ça l'a fait émission gen 400 monde qui live ouais et non seulement ou live avec 10 000 monde gon paquet radio gon paquet l'autre channel YouTube qui a retransmettre. Elle dit, son représenté a, c'est 50 fois sa nek sa yo représenté. Donc, yo wè une occasion pour garder qui j'en ou ka éliminou. Donc, commissaire gouvernement li même, li entre moun nan gouvernement kap di, et tout fait même bouche monsieur, li nan mitan nek qui profite pour attaquer yo, et li nan mitan moun qui modéré en de société a. Mais, commissaire gouvernement pral garder deux bagay yo, misspoke et intent, la di, ah, mon cher, et mwen tan de bagay la, donc, essayez pas faire USA encore la caillou et puis c'est fini. Donc pas gain c'est une tempête et puis imagine moi même ceci tout pour nèg kabata koyo imagine nos société OK ou là depuis 6 ans on ti nèg nou tête grain cap essayer monter et on institution pour utile pays a dans débat démocratique et puis on ti koto mispo. Et puis nèg yo faut comprendre comme si c'est un problème société a oui. Alors que nous tout connaissons met gang yo c'est oligarque yo même nèg k'ap vinn soi-disant shooter soi mais c'est pas ka dan rien sur oligarque yo ouais. Bouche ferme oligarque yo c'est met gang yo et puis deuxième met gang yo c'est leader politique
ancien parlementaire qui reste avec oligarque, c'est eux qui mettent gang dans société a. Et nous tout connaît pour qui blanc a travail pour faire moun yo déplacer dans quartier populaire pour blanc ça qui a vienne voler ça en bataille. Donc nous même li clair que ça passe là son tempête dans un verre d'eau. Il y a des dossiers plus sérieux et très importants pour le pays. Car il comme dans le pays, dans Figuino, il a préparé le coup d'État. Et puis personne ne va vous dire rien. En tant que comme dans trois courants qui a préparé le coup d'État par eux. Ah bon? Il y a un blanc à l'étranger qui a préparé le coup d'État. Qui est aussi intervention militaire que CARICOM a préparé dans la visite qu'il a fait là par rapport à la réunion Conseil de sécurité. Ya. Et puis pour dire que c'est parce que le commis pour qu'il tout espace média et puis pour se bailler sérieux, pas discuter. Et puis m'a dit tout le monde, il y a besoin de marrer gang, moyen. Sané, ou là? Ya, mettre gang à sa patte, mettre gang à sa patte, là, son oligarque qui est lié. Choisis, Louko. Non, oui, non, mais parlez, mais continuez, il défend un petit coupé, mais continuez. Donc, moi-même, m'a dit, Negio, et Louko fait partie de la solution, matin débat fait partie de la solution, matin débat ne fait pas partie du problème. Nous avons un problème, non, y, bonne lâche. N'a pas cherché manger dans mes oligarques et puis nous pas venir parler bah yo comme si nous pas connait mettre gang yo dans pays a qui fait tout monde noir sans monde noir couler dans pays a dans quartier populaire nous pas connait qui est yo nous pas connait qui oligarque qui mettre gang yo monsieur en sérieux tendez monsieur avant de venir attaquer monde dans pays a mettre gang yo dans pays a c'est oligarque Pétionville qui yo et même commission de désarmement te doug 11 familles comme si nous pas connait ça. Et puis nous prenons son petit nègre là qui chita, qui a fait débat démocratique pour tout le monde vienne parler, toute idée a passé là-dedans, comme si elle n'est pas nèl sa problème, non? Mon cher, nèg a chouté à, ou qu'on a un problème où il est dans des mains? Problème où c'est dans l'oligarque qu'elle est dans des bordeurs, et pas là qu'elle est. Donc moi-même, son société n'a pas été bâtie, non, au moment historique là, ou qu'on mission carrée comme qu'il a depuis deux jours. Cap garder qui Jean pour faire occupation militaire dans gorge nous gain trois anciens premier ministre avec un ancien premier ministre carré comme qui souterrain qui vient préparer coup d'état par yo et tout nèg besoin vienne voler ça en bas des pays d'Haïti et puis nèg a fait diversion pour nous pas parler de causer ça yo mon cher gain trop bail sérieux là pour que c'est sous ça un monde qui misspoke for 30 seconds. Et puis ça qui règle la personne pas mandel, li gen tan well misspoke, li vin di bon, li font erreur, li excuse le erreur ça qu'il fait. Et puis on sérieux monsieur, nous connait réalité la ria. Bon paquet ti jeune qui rentre en bagan, yo nous connait pour qui ça? Parce que pense gen roulement là-dedans. En comme si 3 millions de dollars américains que kidnapping n'a rapporté par mois et 72 millions de dollars américains que kidnapping n'a rapporté en 24 mois. Et comme si nèg yo pas connait dans qui banque que la blanchi. Et pas même banque oligarque yo. Et si l'applicat blanchi 72 millions. C'est ISO qui a blanchi 72 millions. C'est Chris qui a blanchi 72 millions. Monsieur, sérieux, attendez. Nous paiement et oligarque yo bonne lâche. Mais c'est même li clair que et causer ça et souvent 2 minutes le cobaye faut nous parler. Allez-y. CARICOM nan ki la. Allez-y. Oui. Les importants. Sans qu'on ait de dossier CARICOM nan. Et nèg yo débat en dedans pays a gen trois premiers anciens premiers ministres qui vini ou gen Perry Christie de Bahamas ou gen Bruce Golding de Saint-Lucie ou gen Kenny Anthony de Dominica et puis chairman CARICOM ki la qui sont Dominica. Et monsieur le premier ministre et Roosevelt Scary. Nèg yo débarqué dans pays a, y a rencontré des trois organisations politiques qui ont sélectionné et puis on pensait que c'est moun ça yo pral prendre solution pour nous. Moi-même bon bay ki clair que CARICOM doit comprendre. Alors pour jeune auditeur qui attendait a, CARICOM son organisation qui gagne 50 ans, il regroupe tout pays dans Caraïbes blanc, nous-mêmes nous gagne 25 ans là-dedans. Nous rentrons là-dedans le 4 juillet 1998 et yo commencé fouer bouche dans affaire nous depuis dans élection 2000 yo. Après ça les vinn gen gouvernement transition la tortilla yo pas reconnaître li yo té dans Aristide net et yo fait deux sommets dans pays d'Haïti et depuis l'existé un sommet qui était fait en 2013 sous Matéli
une qui était faite en 2018 et sous président Jovenel. Donc premier récari qu'on fait, c'est le faire réunion Jamaïque là l'autre jour. 87% monde qui invité dans réunion Jamaïque là, yo nan gang, yo nan touye président. Donc déjà Jean Caricom dérape, il y a un bon problème. Deuxième bagaille là, c'est que gros série de monde dans Caricom là, yo gen acteur politique pa sous souterrain. L'autre ministre affaires étrangères Bahamas la Fred Michel. Tout le monde connaît à qui est-ce qu'a marché politiquement souterrain. L'autre Sandra Honoré qui saute dans Trinidad. Il était chef de cabinet, secrétaire général adjoint royal Luigi Einaudi, après ça vient chef ministre et il ban nous privé avec nèg Black Audio. Et au même c'est eux qui délivrer privé. Et Ronald Sanders pendant président Jovenel Moïse était là, nous avons tout ça écrit pour encourager l'instabilité politique dans le pays d'Haïti, nous c'est un camp politique lui. L'autre Colin Granderson, monsieur là depuis siècle 92 dans le pays, dans tête Missivi, c'est monsieur assistant secrétaire général et CARICOM. Monsieur gain agenda parle. Et pour prendre premier ministre Jamaïque là Andrew Holness, et depuis quelques temps là, monsieur gain agenda avec premier ministre Canada. Donc et faut que nous garder tout dans cadre jouet coquin qui a joué souterrain. Belize fait signer un accord avec président dominicain pour yon fond raffinerie pétrole Saint-Domingue. Saint-Domingue pas gen pétrole. Qui côté yon pral voler pétrole là? Haïti. Donc je vous dis à moi même, moi, on boit Fritz Jean a préparé coup d'état li, li déclaré tête li président provisoire, alors que constitution est très claire. C'est deux gens qui a président dans le pays d'Haïti. Un président constitution.